Salut la team, ici Cole Brandao. Bienvenue à cette nouvelle vidéo sur notre chaîne. Déjà aujourd'hui, nous allons partager notre expérience par rapport aux signaux que je partage gratuitement dans notre canal Telegram. Donc, si tu es nouveau à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à partager et à liker aussi pour nous encourager et permettre à la chaîne de grandir. Et surtout, suis cette vidéo jusqu'au bout. Tu verras comment est-ce qu'on fait des analyses, comment on entre dans le marché de manière objective et spécifique. Et comment est-ce qu'on partage ces signaux de manière gratuite et on permet à des jeunes traders de se faire un maximum de profit. Donc déjà, c'était Euro AUD, on a fait une très belle analyse. Nous sommes entrés de manière objective dans ce trade-ci et tous nos TP ont été atteints. Tous nos TP, TP1, TP2 ont été atteints. GBP/CAD également. GBP/CAD également, nous sommes entrés quelque part ici. C'est bien une correction de marché à recorriger là, et puis nous sommes encore en train de se faire marge de profit. Tous nos deux TP sont atteints, même comme on n'a pas voulu attendre que le deuxième TP soit atteint. Donc, tout au long de la vidéo, tu vas voir comment ça s'est passé et aussi les résultats, parce que dans notre façon de travailler, nous sommes très rigoureux avec ce facteur de traçabilité. Nous ne prenons pas des trades au hasard et on prend toujours la peine de montrer nos résultats. Qu'ils soient positifs ou négatifs, nous les partageons parce que c'est ça le trading. Le trading, c'est pas de la théorie, les amis. Le trading, c'est la pratique. Donc, suivez la vidéo jusqu'au bout. Bon, la team, là, nous sommes toujours sur nos signaux gratuits et VIP partagés tout à l'heure. Vous devez remarquer nos points d'entrée. Nous avons d'excellents points d'entrée. Là, le TP1 est presque atteint. D'ici quelques minutes, le TP va être atteint. Ceux qui ont fait max de profit peuvent déjà couper. GBP/CAD également. GBP/CAD également. Le TP1 est presque atteint. Vous voyez bien nos points d'entrée. Pour ceux qui sont nouveaux, qui veulent comprendre comment ça fonctionne, allez regarder notre dernière vidéo sur la chaîne YouTube, vous allez voir comment entrer dans le marché de manière spécifique. Vous remarquez, nos points d'entrée sont excellents. Donc, l'objectif ne sont pas les TP. Ou vous faites un max de profit, vous coupez simplement. Vous n'avez pas besoin d'atteindre aussi les TP. Un max de profit, vous sortez des marchés simplement, les amis. Donc, faites-vous un max de profit. Bon, la team, là, notre TP1 est presque atteint. D'ici quelques minutes, le TP1 va être atteint. Le TP1 va être atteint sur Eurocard avec succès d'ici quelques minutes. Donc, bravo à tous ceux qui ont suivi. GBP/CAD également. GBP/CAD également. Le marché continue de descendre. Donc, là, vous pouvez bien voir, nous sommes pratiquement à 300 dollars, bientôt 300 dollars de bénéfices en quelques minutes. On va dire à moins d'une heure de temps. À moins d'une heure de temps, chacun peut vérifier la pertinence de nos trades et de nos analyses. Vous voyez que là, le TP1 va être atteint. D'ici quelques minutes, le TP va être atteint. Donc là, vous voyez clairement nos résultats. Donc, c'est dit toute la pertinence de nos stratégies. Donc, bravo à tous ceux qui ont suivi, ceux qui ont fait un max de profit. Vous pouvez déjà sortir. Vous pouvez déjà sortir ou resserrer vos stops dans ce point d'entrée pour atteindre votre TP. Donc, bravo à tous ceux qui ont suivi. Bon, la team, là, notre TP1 a été atteint sur Eurocard avec succès. Là, le TP2 également va être atteint d'ici quelques minutes. Donc, bravo à tous ceux qui ont suivi. Là, notre TP2 est presque atteint. C'est pratiquement atteint. Ouais, le TP2 va être atteint d'ici quelques temps. Là, c'est juste un peu le spread qui n'est pas. C'est bien, mais le TP est presque atteint. Notre TP1 est atteint avec succès. Là, le TP2 est pratiquement atteint. Donc, bravo à tous ceux qui ont suivi. Il y a eu une correction, il y a eu un mouvement de retracement là, mais avec nos stratégies, tout ça était prévu. Ceux qui sont dans la formation comprennent mieux comment il fallait voir ce trade-ci. C'est ceux qui sont dans la formation qui comprennent mieux le fonctionnement. Donc, bravo à tous ceux qui ont suivi. Là, on attend juste que le TP2 soit atteint avec succès et on sort simplement des marchés. Donc là, le TP2 est atteint. Vous voyez bien, le TP2 est atteint avec succès. Donc, bravo à tous ceux qui ont suivi.
Notre stratégie a été respectée, le TP2 est atteint, ça vient d'être atteint avec succès. Donc, bravo à tous ceux qui ont suivi. Donc, les amis, bravo à tous ceux qui ont suivi. Nos deux TP ont été atteints avec succès. On passe sur GBP4. GBP4 également, le TP1 est atteint avec succès. Bon, ici, il y a d'abord une correction. Le TP, le stop loss était trop serré, était trop bas. Le stop loss était trop bas, le marché a atteint notre TP1. Mais par rapport au stop loss 1, pardon, le marché a atteint notre stop loss 1. Par rapport à nos stratégies, j'ai enlevé un stop loss, j'ai laissé parce que je savais qu'il devait avoir une correction. Le marché allait revenir à ce niveau-ci parce que nos éléments de notre formation, de nos stratégies nous montraient à suffisance qu'il devait avoir un retournement de tendance ici. Ceux qui sont dans la formation vont mieux comprendre ce paramètre aussi. Parce que nous sommes bien entrés quelque part ici. Le TP1, on devait mieux le serrer là pour que le marché atteigne le TP1 et on resserre pour le TP2. Mais néanmoins, il y a une grosse correction. Ça a tapé notre TP1, notre premier trade, ça a tapé notre stop loss. Nous sommes sortis au premier stop loss touché. Et nous sommes entrés à nouveau et le TP1 est atteint par la foulée quelque part ici. Et là, on attend juste le TP2. Mais néanmoins, là, on a fait marge de profit, on peut déjà couper. Donc, bravo à tous ceux qui ont suivi, tous ceux qui se sont fait marge de profit. Bon, la team, voici nos résultats de cette journée de trade. Voilà nos résultats, GBPCAD et Eurocard. Nos deux trades, Eurocard, ont atteint les deux TP, on s'est fait un max de profit. Eurocard, on s'est fait un max de profit. Nos deux TP, ont atteint sans problème. GBPCAD, il y a d'abord eu une grosse correction. Il y a une grosse correction. C'est pourquoi on est sorti à moins 38 dollars. Le premier stop loss a été atteint. On a maintenu le deuxième trade parce que nos stratégies dans notre formation nous permettaient de voir qu'il devait avoir une correction. Donc, on a maintenu le trade et le TP1 est atteint. On a fait pratiquement 77 dollars et le TP2, on n'a même pas laissé que le TP2 soit atteint. C'est là maintenant que le TP2 vient d'être atteint quand j'ai vérifié. Le TP2 est atteint, mais j'ai préféré sécuriser depuis à pratiquement 103 dollars. C'est dit toute la pertinence de nos résultats à travers nos stratégies. Demain, c'est le dernier jour que je vais partager les signaux totalement gratuits. Je vais maintenant partager les signaux uniquement à ceux qui sont dans le VIP. Uniquement à ceux qui sont dans le VIP. Donc, ceux qui nous suivent depuis des années, depuis des mois, vous voyez ce qu'on fait. Si vous êtes intéressé par notre façon de travailler, par notre façon de gérer les marchés financiers, c'est à vous maintenant de nous contacter, de prendre attache avec nous et pour pouvoir bénéficier de toutes nos offres et nos services. Et ceux qui veulent bénéficier de nos signaux VIP, vous savez quoi faire. Donc maintenant, les signaux gratuits vont être en fonction des opportunités et du montant. J'ai pu partager ça gratuitement comme je le faisais au quotidien. Donc maintenant, demain, c'est pratiquement le dernier jour. J'ai décidé que ce mois de juin-ci, j'allais faire les choses différemment. Donc, c'est à chacun maintenant de savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir bénéficier de cela et véritablement vivre du trading. Donc, je pense que tout le long, chacun a eu à vérifier la pertinence de nos analyses, de nos stratégies. Je pense que je suis l'un des rares à faire ce genre de travail, partager des analyses et partager aussi des résultats, permettre à chacun de voir véritablement ma façon de travailler, mon style, pas sur une seule journée ou sur une semaine ou sur un mois, sur plusieurs années, sur une période constante. Donc, je pense que là, chacun a eu la possibilité de vérifier tout cela. Donc, maintenant, il faut que vous arrêtez de procrastiner et vous passez véritablement à une autre étape de vos vies si vous voulez véritablement vivre du trading. Donc, excellent début de mois à chacun d'entre vous et le meilleur reste à venir, les amis. Arrêtez surtout de procrastiner, comme j'ai l'habitude de dire. Et surtout, beaucoup de courage à ceux qui ont la volonté, mais qui n'ont pas les moyens de faire certaines choses. Vous devez savoir il n'est pas toujours question de moyens, il est juste question de volonté et d'envie pour atteindre un certain niveau. Donc, beaucoup de courage à chacun d'entre vous. Déjà, si tu es nouveau à la chaîne, moi c'est Code Brandao, trader professionnel, gestionnaire financier de formation. Si c'est ta première fois de passer ici, n'hésite pas à liker, t'abonner et à partager pour nous encourager à développer la communauté. Ici, on parle de business, on parle de trading, on parle d'entrepreneuriat. Tous ces éléments qui vont permettre à notre continent de se développer et de décoller pour rattraper les autres continents.
Pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par une formation en trading, nous avons notre formation en présentiel et en ligne. Ceux qui sont intéressés, qui nous suivent depuis plusieurs années ou plusieurs mois, déjà peuvent intégrer la bio de la différente vidéo, intégrer notre canal Telegram ou nous contacter directement via mes numéros en bas. Ceux qui nous suivent également sur les shorts YouTube, vous pouvez constater la pertinence de nos analyses, de sérieux de notre façon de travailler en respectant un ordre de trade bien élaboré. C'est pourquoi au quotidien, vous pouvez voir nos résultats via nos shorts YouTube. Déjà, ceux qui sont intéressés par nos signaux VIP, vous pouvez également me contacter par rapport à cela.